Chers amis téléspectateurs, bonjour. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux devant vos petits écrans pour encore être au rendez-vous à notre émission Défi politique, émission lors de laquelle nous évoquons plusieurs sujets politiques avec des acteurs politiques. Et pourquoi Défi politique? Parce que à l'issue de notre émission, notre invité devrait lancer un défi politique. Alors aujourd'hui, nous recevons quelqu'un qui n'est plus à présenter. Il s'agit bien du docteur Loseke Tarsis. Bonjour docteur. Bonjour Damien. Oui, en tout cas, c'est un plaisir de vous accueillir en tout cas sur notre plateau des TV. Et nous allons parler de beaucoup de choses en tout cas. Nous allons parler de vous-même. On parlera un peu des élections, on parlera de la Cinco, de la Cour concessionnelle, on parlera aussi de l'Imperium, évidemment. Mais au départ, je désire dire à nos téléspectateurs que vous êtes médecin neuropsychologue, je crois. Neurologue, voilà, vous êtes médecin neurologue, vous êtes un homme politique et vous êtes membre de l'UDPS. Tout à fait. Voilà. Donc, mais à l'époque, vous étiez plutôt très actif dans les SID avec Martin Fayoulou. C'est quoi ce revirement SID UDPS? En fait, il n'y a pas de revirement parce que lorsque nous avons créé l'UDPS, lorsque nous avons créé les SID, c'était au moment où non seulement le président Tshisekedi était ici en Europe, mais aussi il y avait des turbulences importantes au sein de l'UDPS. C'est-à-dire à ce moment-là, on voulait adhérer massivement avec les amis qui ont créé les SID avec nous. On voulait adhérer à l'UDPS, mais on s'est rendu compte que, étant donné la situation qui était incertaine compte tenu de ce que vous avez appris avec les congrès de Belchica et consorts, ça nous mettait dans une situation d'incertitude pour l'UDPS. Malgré le fait que l'UDPS est la fille aînée de l'opposition. Quels sont vos rapports aujourd'hui avec SID, avec Martin Fayoulou? Non, les rapports sont extrêmement bons. Nous sommes restés amis. Et si vous suivez l'actualité, Martin Fayoulou est un président d'un parti de l'opposition qui défend la position, les positions et les valeurs que l'UDPS défend. En plus de ça, nous avons le même combat pour le moment, pour des points dont nous allons discuter, notamment le départ de M. Malumalu, de la CENI. Donc on en parlera, voilà, on va y revenir de manière l'opposition assez... L'opposition farouche contre la révision de la Constitution, etc. Ouais. Donc, nous sommes là, ensemble, dans un combat commun, et il n'est pas dit que dans l'avenir, il y ait un mariage entre l'UDPS et les SID, pourquoi pas. Okay. Mais, pour le moment, j'ai dit d'emblée que l'UDPS n'a aucune alliance politique, puisque non seulement les congrès de décembre 2010, interdit toute alliance entre l'UDPS et un parti, même frère, mais il y a le fait que les agendas ne sont pas encore précis et clairs pour certains partis politiques. Ben, on reviendra sur les alliances, on va revenir sur les alliances. Nous n'avons pas d'alliance. Donc, puisqu'on a parlé de l'SID, les combats pour certains thèmes, pour certaines situations, certains problèmes politiques. Demande que vous puissiez faire. Voilà, c'est parfait. Mais tout à l'heure, je vous ai présenté comme médecin. Hein, vous êtes médecin, c'est votre profession. Vous êtes homme politique. Est-ce que vous pensez qu'il y a de la compatibilité entre ces deux professions, en tout cas? Nullement. D'autant plus que c'est même intéressant que ceux qui font la politique aient une autre fonction dans la vie. Vous voyez, il y a des avocats qui deviennent des députés, ministres, présidents de la République. Donc, il n'y a aucune incompatibilité. Le tout réside dans l'organisation personnelle. Lorsqu'on veut aboutir à une cause, faire aboutir une cause, on doit la défendre, quelle que soit la fonction qu'on a. Et le fait que je suis arrivé en politique via la société civile montre très bien que lorsqu'on s'intéresse réellement à la politique et qu'on veut le développement de son pays,
on peut y arriver. Malheureusement, on n'y est pas encore, mais nous sommes dans le processus. Ok, c'est parfait. Mais en 94, vous avez été ministre dans le gouvernement Étienne Tshisekedi. Je crois que vous étiez ministre de tourisme, si je ne me trompe pas. Non, c'est en août 1992 que le président Étienne Tshisekedi m'a nommé son ministre de l'environnement. De l'environnement. Moi, je voulais juste poser la question de savoir, vous êtes resté ministre pendant 3 mois, je crois. Pendant 3 mois. Est-ce que vous avez une idée du bilan de cette période-là? Quel est, selon vous, votre bilan pendant la période où vous avez géré ce domaine, en tout cas de l'État congolais, pendant 3 mois? En tout cas, pendant les 3 mois que j'ai géré ce ministère, vous pouvez vous référer aux agents de l'environnement, ils vont vous le dire. Pendant les 3 mois que j'ai géré ce ministère, eh bien, j'ai fait découvrir à beaucoup de Congolais que le ministère de l'environnement était des ministères clés d'un gouvernement. Et cela a été plus facile pour moi. Pourquoi? La première raison, c'est qu'à la Conférence nationale souveraine, j'étais le président de la commission de l'environnement. Okay. Et tous mes experts, c'était des personnes qui venaient du ministère. Et j'ai appris, j'ai pris vraiment le goût de promouvoir ce secteur-là important de notre pays, qui est l'environnement et le tourisme en même temps, bien sûr. Chez nous, la biodiversité et le tourisme sont ensemble. Fond de pair, voilà. Ensuite, lorsque le président m'a nommé à ce ministère, il m'a assigné une mission précise qui consiste à relever, d'abord, protéger notre environnement et surtout côté assainissement qui posait problème. Et ensuite, faire la promotion du tourisme, qui devait être une des richesses du Congo qu'on ignore. Et dans le programme que nous avons reçu de la CNS, il fallait travailler avec beaucoup de détermination pour réussir dans ces deux secteurs-là. Malheureusement, Mobutu n'a pas voulu qu'on réussisse, parce que si notre gouvernement avait poursuivi son cursus normal, nous allions démontrer la gabegie financière, le gâchis, même que le régime Mobutu avait imposé à ce pays. Ce n'est qu'une partie remise. Mais une autre question que je voudrais vous poser. Aujourd'hui, vous êtes ministre de la Santé. Vous attaquez quoi en premier au Congo? Oh, il y a beaucoup de choses. Le défi est énorme au niveau de la santé, puisque tout est à refaire. Nos structures sanitaires sont tout à fait détruites. Et puis, je ne sais pas par où commencer, mais la priorité de tout, c'est de s'occuper de la santé de la mère et de l'enfant. Et ensuite, mettre l'accent sur la médecine préventive. Ça ne sert à rien de construire des hôpitaux pour s'équiper à des équipements sophistiqués lorsque le petit peuple meurt encore de malaria, des maladies, même qui n'existaient plus à l'époque coloniale. Donc il y a des défis à relever de ce côté-là. S'occuper de la protection maternelle et infantile, parce que pour devenir adulte, il faut commencer par l'enfance. Or, nous avons des enfants qui ont de sérieux problèmes de santé, qui n'ont pas beaucoup de chances dans leur avenir. Et donc, nous devons mettre la priorité là-dessus. Ensuite, nous occuper de la médecine préventive. La médecine préventive, c'est dans tous les secteurs, même chez les adultes. Moi qui suis neurologue, j'ai fait la promotion pour prévenir les AVC, par exemple. Donc, c'est un secteur important. Si vous allez à Kinshasa aujourd'hui, 1 sur 2, on pleure quelqu'un qui vient de mourir d'AVC. Donc, il n'y a pas de médecine préventive. Les Congolais vivent mal dans son environnement immédiat. Tout ça, vous voyez, la proximité de l'environnement et la santé. Oui, effectivement. Donc, tout ça, ça se tient. Ouais. Donc, il y a beaucoup de choses, il y a des défis, oui, je des crois défis que à relever dans ce pays. Okay. Et je peux vous dire que lorsque nous serons au pouvoir bientôt, on va s'attaquer avec beaucoup de détermination dans tous ces secteurs.
Oui, je crois qu'on va trouver peut-être un cadre plus approprié pour aller en détail hein, dans ce secteur de la santé qui est très complexe et qui est quand même assez vital pour le Congo. Mais là, j'aimerais qu'on puisse aborder un peu le domaine qui concerne l'impérium. Parce que si Dr Loseke est aussi suffisamment connu au niveau de la diaspora, ces derniers temps, c'était un peu plus par rapport à ce concept impérium. C'est quoi le rapport qu'il y a entre l'impérium, déjà si vous savez nous définir c'est quoi, et ce qui a été créé à un moment donné, le fonds de soutien au changement démocratique au Congo? Bon, c'est simple. Hein? L'impérium, c'est un terme qui signifie la plénitude du pouvoir. Qu'est-ce qui s'est passé? En novembre 2011, le peuple congolais a choisi le président Étienne Tshisekedi comme président de la République. Vous savez ce qui s'est passé. Il y a eu un hold-up électoral. M. Kabila s'est imposé par la force, avec la complicité de tous ceux que vous connaissez. Et par défi, il dirige ce pays. Alors que le président légitime qui a été choisi par les Congolais, c'est M. Étienne Tshisekedi. Ça veut dire que le président Tshisekedi a la légitimité du peuple congolais, mais n'a pas l'impérium, c'est-à-dire n'a pas la plénitude du pouvoir. Cette plénitude du pouvoir implique qu'il ait la main sur l'armée, la police, qu'il ait la main sur les finances publiques et sur la justice. Les piliers du pouvoir kabiliste actuellement, donc le pouvoir kabiliste, se maintient par la force, par les finances, puisqu'il manipule les finances du pays, et par l'instrumentalisation de la justice. Or, c'est ça les éléments clés de l'impérium, donc, que j'appelle la plénitude du pouvoir. Donc, notre objectif, au lendemain du 9 décembre, quand on a proclamé, abusivement d'ailleurs, et c'est de l'imposture, quand on a proclamé Kabila président de la République, nous devions nous battre pour que notre président puisse avoir la plénitude du pouvoir, ça veut dire l'impérium. Donc, toutes les stratégies étaient mises en voile pour qu'on y arrive. Mais d'un côté, le président Tshisekedi avait et continue à avoir un agenda personnel par rapport à cet impérium, mais nous autres nous sommes dit que nous ne pouvons pas rester les bras croisés, il faut qu'on se batte pour l'impérium. Et quand vous analysez les choses sur le plan des rapports de force, vous ne pouvez pas faire grand-chose sans avoir les moyens. C'est l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et nous nous sommes dit, avec le peu de moyens que l'on peut avoir chez ceux qui croient à notre politique, ceux qui croient au changement dans ce pays, ceux qui croient à la volonté du décollage de ce pays, qui est la RDC, nous sommes adressés à eux en créant le fonds de soutien au changement démocratique. Quel est le bilan de cela? Je crois que vous allez me poser la question. Allez-y, oui. Au bout de 4 ou 5 mois, nous avons fait les bilans et on a récolté dans l'ensemble de la diaspora, que ce soit aux États-Unis, au Canada, en Europe et un peu partout, en Australie, Afrique du Sud, nous avons pu récolter seulement, je dis bien seulement, 25 000 dollars. Mais c'est très peu, c'est dû à quoi, en tout cas, cette... Mais c'est dû à la culture congolaise, on ne donne pas facilement. Les Congolais ne donnent pas, même s'il est convaincu. Oui, mais est-ce que la communication était bonne? Parce que là, par exemple, dans l'un des médias de la place, vous aviez soutenu en disant que le fonds que vous aviez créé, c'était pour l'acquisition de l'impérium. Vous venez de définir plus ou moins les caractéristiques hein, de l'impérium, la justice, l'effectivité, tout ce qui est armée, et puis sécurité, et voilà. Maintenant, lorsque vous présentez les objectifs du fonds que vous avez créé, vous avez dit que c'était pour mobiliser des fonds populaires et privés pour soutenir l'alternance démocratique au Congo. Mais entre-temps, vous aviez dit que c'était pour l'acquisition de l'impérium. Est-ce qu'il n'y a pas une confusion? Il n'y a pas une confusion qui, finalement, vous avez créé un peu dans les têtes des Congolais qui a fait que les gens ne se retrouvent pas dans votre communication? Pas du tout. Je vous rappelle que nous, dans notre combat, c'est la non-violence. Donc, il faut passer par des mécanismes non-violents pour accéder au pouvoir. Et dans ces mécanismes-là, il y a des stratégies
qui nous permet d'inverser le rapport des forces. Parce qu'en politique, qu'est-ce qui compte? C'est le rapport des forces entre Kabila et nous. Et pour y arriver, il y a des stratégies qui impliquent des moyens. Pas nécessairement. L'impérium ne veut pas dire utiliser la violence. L'impérium ne veut pas dire faire un coup d'État, qui serait d'ailleurs hasardeux, dans une certaine mesure. Non, je me limite à la manière dont vous avez défini tout à l'heure l'impérium. Vous avez donné trois caractéristiques. Et je fais le rapport avec la définition, enfin l'objectif, que vous avez clairement présenté sur le fond, que vous avez initié comme stratégie évidemment pour l'impérium. Et vous aviez dit que ce fonds, c'était pour l'acquisition de l'impérium. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une sorte de contradiction entre la manière dont vous définissez, en tout cas, l'objectif du fonds et la manière dont vous définissez l'impérium lui-même. Ça fait il n'y a pas un problème de coup d'État ou voilà. Non, il n'y a pas de contradiction. Pourquoi? Parce que dans les rapports des forces, il y a quelques paramètres dont il faut tenir compte. Il y a le peuple, il y a l'armée, il y a les forces de l'ordre, il y a les finances. Et puis la communauté internationale. Voilà les quatre paramètres importants qui interviennent dans les rapports de force. Donc nous, pour inverser ces rapports de force, nous ne pouvions travailler que sur certains de ces paramètres. Travailler sur le peuple, notamment par une forte sensibilisation, une forte mobilisation. Travailler la diplomatie, donc la communauté internationale. Puisque nous n'avons ni argent, c'est Kabila qui a la caisse, qui manipule les finances publiques. C'est Kabila qui a pris l'armée sous sa tutelle, qui manipule l'armée. Donc, un jour, en passant par la population, on peut inverser le rapport des forces au niveau de l'armée. Et voilà comment l'échelonnement des choses, comment ça peut se faire. Donc, mais cela ne pouvait pas se faire sans les moyens. Vous comprenez très bien qu'on ne peut pas le faire sans les moyens. Donc il n'y a pas de contradiction entre la poursuite de l'impérium et ce que nous avons conçu comme mécanisme de récolte de fonds pour inverser les rapports. Oui, est-ce que l'impérium est toujours d'actualité? Parce que j'ai vu quand même que. Mais j'ai vu que, avec les dernières informations, on voit quand même l'UDPS déjà impliqué dans le processus électoral, de manière directe ou indirecte, mais déjà, on sent que l'UDPS est impliqué, déjà s'investit dans le processus électoral. Processus électoral, impérium, sont encore deux concepts contradictoires. Non, pas du tout. Nous sommes en plein dans l'objectif de récupérer l'impérium. Par les élections? Avant? Non. Mais je viens de vous dire tout à l'heure qu'il faut inverser les rapports de force. Et je vous ai cité quatre paramètres de rapports de force. Il faut travailler, continuer à travailler, notamment au niveau de la population, l'éducation civique. Tout à l'heure, nous allons parler des évêques qui ont donné les go. Effectivement. Mais pourquoi nous nous traînons? Les évêques ne font pas la politique. On va y revenir. Oui. Donc, il y a des mécanismes pour inverser les rapports de force. Et je le dis à notre peuple que nous n'avons pas encore fait grand-chose pour inverser ces rapports de force. C'est vrai qu'il faut les moyens, parce que nous faisons du coq à l'âne, on reviendra sur la modicité de l'argent récolté par rapport au fonds de soutien au changement démocratique. Mais il faut que le peuple comprenne que la politique, c'est un problème de rapport de force. Et je viens de dire clairement les quatre paramètres importants. Il y a des paramètres sur lesquels nous pouvons travailler avec très peu de moyens. Sur la population, l'éducation civique, la sensibilisation. Nous pouvons travailler, même vous de la diaspora, vous pouvez travailler sur la diplomatie. Oui, on va y revenir, parce qu'on donc, va parler de ce sont deux paramètres importants, et c'est ce que nous faisons d'ailleurs, pour permettre aux envoyés spéciaux, que ce soit des Nations Unies, Obama et consorts, pour qu'ils aillent au pays, pour qu'ils disent à Kabila de ne pas modifier la Constitution, tout ça. Donc, il ne faut pas dire que nous avons abandonné l'impérium pour aller maintenant nous embarquer dans les processus électoral aveuglément. Quels ont été les clair. Allez-y, je vous en prie. À ce niveau-là. Nous ne pouvons pas être absents non plus dans les processus électoraux. Que vous le vouliez ou pas, il y aura des élections dans ce pays. Donc, nous ne pouvons pas dire, non,
C'est nous, c'est l'impérium, sans l'impérium, pas d'élection, tout ça. Non, nous évaluons les choses au fur et à mesure qu'elles évoluent. Nous n'irons aux élections que s'il y a une commission indépendante et une commission électorale réellement indépendante, de préférence sans Malou-Malou. Et nous disons Malou-Malou doit partir. Nous irons aux élections moyennant une série de conditions que nous posons maintenant, hein, l'audit du fichier électoral, le serveur, tous ces aspects-là. Il faut nous suivre. Hein. Mais nous ne disons pas que nous attendrons 2016. Si d'ici là, nous arrivons à inverser les rapports de force, selon nos stratégies à nous, que nous n'allons pas étaler ici, nous aurons l'impérium. Puisqu'on parle des élections... Et c'est peut-être nous qui allons organiser les vraies élections. Oui, en tout cas, puisque nous parlons des élections, quelles sont, selon vous, les erreurs commises en 2011? Pourquoi vous n'avez pas pu avoir l'effectivité du pouvoir en 2011, alors que toutes les cartes et tous les paramètres étaient favorables, en fait, à votre parti? Mais je viens de vous dire que M. Kabila s'est maintenu par la force. Nous avons montré avec des preuves que c'est M. Tshisekedi, c'est le président Tshisekedi qui a gagné les élections, l'élection présidentielle. Et que même au niveau de l'Assemblée nationale, beaucoup de nôtres étaient élus, dont votre serviteur. Mais les noms n'ont jamais été apparus. C'était des députés nommés. Vous êtes élus. Imaginez-vous la frustration. Vous êtes élus après avoir battu campagne. Et on vous dit, vous n'êtes pas député. Et vous savez, vous avez des preuves que vous êtes député. Oui, c'est pour ça que je pose la question. Mais quels sont... Parce que là, vous ne répondez pas à la question, en fait, docteur. Ma préoccupation est celle de savoir quelle est la responsabilité de l'UDPS par rapport à cet échec définitif, quoi. Nous reconnaissons une chose, c'est qu'il y a eu la victoire des urnes, mais il n'y a pas eu peut-être la victoire de la rue. Hein? Il y a eu un nom d'appel électoral. N'y avait-il pas eu des erreurs du parti lui-même en amont ou en aval des élections? Non, en amont, non. Même si nous pouvons dire qu'on n'avait pas suffisamment de moyens d'avoir une organisation bétonnée, en amont, nous avons mis des choses en place. Nous avions un programme, notre candidat était bien drillé pour faire sa campagne malgré les difficultés, les bâtons qu'on lui a mis dans les roues, il a fait, c'est parmi les 11 candidats, le meilleur des candidats qui a circulé dans les 11 provinces du Congo. Donc, vous voyez que nous avons fait la campagne qu'il fallait. Mais ce que nous n'avons pas pu faire, et ça c'est le gros problème, c'est qu'en face de nous, vous avez un imposteur qui s'est imposé par la force. Hein, et qui était prêt à tuer, à faire tout ce que l'on peut faire pour se maintenir au pouvoir. Donc, devant cette réalité-là, nous ne pouvions faire appel qu'au peuple. Le président a fait appel à plusieurs reprises au peuple. Mais le peuple n'a pas réagi. Le peuple n'a pas répondu. Mais c'est dû à quoi? Oui, si vous voulez qu'on en parle. Ok, ça c'est la sensibilisation. On va y revenir. Non, il faut qu'on en parle déjà. Ouais. Et pourquoi le peuple n'a pas réagi selon vous? Parce que le président a donné un mot d'ordre. Il a même été très clair. Il a dit, allez casser les prisons et des choses comme ça. Prenez-vous en charge et tout ça. Mais maintenant, il n'y a pas eu une réponse du peuple. Il n'y a pas eu une réponse populaire, en fait. C'est dû à quoi? Non. Après la proclamation frauduleuse de la victoire de M. Kabila, le président a prêté serment. Ça, vous oubliez de le dire. Il a prêté serment comme président de la République. Et il a demandé au peuple de l'accompagner au palais de la nation. Le peuple s'est mobilisé, mais seulement devant les chars et les canons et tout ça. Vous savez que la voiture du président, un jour vous serez à Kinshasa, je peux vous amener voir, vous pouvez filmer. Il y a des impacts de balles jusqu'à aujourd'hui dans sa voiture. Est-ce qu'on l'a fait pour le tuer ou l'intimider? Je n'en sais rien, mais toujours est-il qu'il est là, Dieu merci. Mais devant les balles réelles, devant les chars et tout ça, qu'est-ce que le peuple peut faire? Il faut commencer quelque part à le formater de telle sorte que demain, comme ça s'est passé en Tunisie, en Ukraine et un peu partout, si, même s'il y a des chars, on résiste. Il faut le faire, mais nous n'avons pas fait ce travail suffisamment. Je crois que ça... Nous sommes peut-être fautifs. Pourquoi? Parce que nous, on croyait à l'alternance démocratique, pas à la voie des urnes et
ça ne s'est pas passé comme il se doit. Ouais, ouais. Maintenant, il faut récupérer les choses. Oui, donc, mais la situation n'a pas tellement changé. Vous aurez en face de vous la même machine. Hein. Mais là, je comprends que vous êtes dans un processus hein, pour essayer de rétablir le rapport de force. Mais j'ai vu, Martin Fayoulou, tout à l'heure, vous avez cité certaines stratégies déjà que vous avez pour essayer d'être vigilant par rapport à la modification de la Constitution ou d'autres indicateurs de fraude. Mais Martin Fayoulou a initié certaines choses. Par exemple, la pétition contre Malou Malou. Ils ont déposé aussi une plainte contre Malou Malou dans le cadre, je crois, de forces politiques et sociales. Mais moi, je voulais savoir, c'est quoi la constitutionnalité de cette démarche-là? C'est-à-dire une pétition pour faire partir Malou Malou, une plainte pour faire partir Malou Malou. C'est quoi la constitutionnalité de cet acteur? Vous savez, Damien, il y a des lectures que j'aimerais vous donner, des livres que j'aimerais vous donner pour lire. Nous sommes dans une lutte non violente. Ça veut dire que nous n'avons pas d'ambition de renverser Kabila par un coup d'État. Nous n'avons pas les moyens. Et d'ailleurs, nous n'avons pas le personnel adéquat pour le faire. Donc, nous devons y aller par des stratégies classiques. Et dans la lutte non violente, il y a deux aspects importants qu'il ne faut jamais oublier. Il y a la défiance politique permanente et la non-coopération. C'est-à-dire que vous ne coopérez pas avec le système que vous décriez et vous défiez en permanence ce système-là. Donc, au travers des pétitions, au travers des procès, même si nous savons que la justice est... Ça ne coûte pas rien, quoi. Voilà. Mais ça fait partie... Et ça devait travailler l'opinion, la population, pour dire ils osent, ils font quelque chose. Et ça devait, nous devons amplifier ça. C'est-à-dire qu'il y a une gradation dans les actions. Pétition, même si nous savions qu'avec les 70 000 signatures qu'on a eues pour faire partir Malou Malou, Malou Malou prétend que vous pouvez avoir même 70 millions de signatures. Il ne partira pas. Mais est-ce qu'il n'a pas raison? C'est ça ma question, en fait. Parce que je suppose que quand un parti politique initie de telles actions, eh bien, on réfléchit quand même sur tout ce qui est aspect juridique de la chose. Est-ce que ça va aboutir? Non, juridiquement, c'est justifié. C'est la voie légale, c'est la voie constitutionnelle, les pétitions. C'est la voie constitutionnelle. Pour faire partir le président de la CENI. Oui, n'importe qui. On peut faire une pétition, même à la compte du chef de l'État. La pétition, c'est prévu dans notre constitution. C'est un des mécanismes de défiance. Un mécanisme pour dire on ne veut plus de vous. Et il faut l'utiliser, même si ça ne sert à rien. Parce que nous savons qu'à face de nous, il y a des gens qui, pour eux, la constitution, c'est un chiffon de papier. Hein, ils s'en réfèrent quand ils veulent s'en référer pour leurs intérêts, mais la Constitution, pour eux, c'est un chiffon de papier. Donc, même si nous savons que cette stratégie n'aboutira pas, nous sommes dans la légalité. Demain, lorsqu'on va utiliser l'article 64, on sera toujours dans la légalité. Donc, nous sommes des légalistes en face des brutes, des gens qui ne voient que la brutalité ou la force et la violence. Donc nous utilisons les mécanismes constitutionnels prévus à cet effet. Okay, parlons. Il y a la pétition, oui. Il y a les procès là qu'on est tente à Malou Malou. C'est justifié, même si nous savons que ça n'aboutira pas. Mais il y a là un procès. Et vous savez que cette histoire-là fait bouger certaines diplomaties extérieures, où est-ce qu'on pense sérieusement à son remplacement. Okay. Si lui, vous verrez qu'il va faire un recul en arrière sur certains points, s'il ne le fait pas, on va lui montrer la porte assez rapidement bientôt. Ok, en tout cas, merci. Mais là, nous allons alors aborder la question en rapport avec la déclaration de la CINCO. On a vu que l'Église catholique a fait une déclaration assez riche, avec beaucoup d'informations, beaucoup de recommandations. Mais en lisant la déclaration, on voit d'une part que la CINCO essaye de faire quand même des éloges au gouvernement actuel, par exemple. Elle fait comprendre qu'il y a le taux de croissance qui est en train de monter. Il dit qu'il y a une maîtrise d'inflation. Il dit qu'il y a un assainissement du climat. Des affaires, ils font, on parle des infrastructures qui ont été construites, ainsi de suite.
Évidemment, plus loin, ils essayent d'être un peu plus sévères par rapport à eux. Mais par rapport au, avant d'entamer la deuxième partie de la question, quel est votre sentiment personnel lorsque on dit de ce gouvernement avoir réussi à maîtriser l'inflation, qu'il y a un taux de croissance économique qui est en train d'aller en galopant et il y a quand même assainissement des climats des affaires? Vous savez, dans cette déclaration, plutôt les messages de la SENCO, des évêques du Congo, il y a des aspects qui sont contestables, mais moi je pense, selon mon entendement, mon analyse personnelle, le message était destiné à dire à M. Kabila qu'en 2016, il faut qu'il y ait une alternance au pouvoir. Je crois que c'était le clou du message. Tout le reste, c'était pour habiller les choses, faire semblant qu'on reconnaît. C'est tout simplement de la courtoisie et de la politesse élémentaire. Mais ils savent très bien que c'est faux, mais il fallait dire quelque chose pour atténuer un peu les fonds de leur message, qui est très clair. Pas de changement de l'article 220 de la Constitution. Il faut qu'il y ait une alternance démocratique dans ce pays en 2016. En termes clairs, ils ne veulent plus que M. Kabila reste au pouvoir. Donc, ça se dit clairement. Mais seulement, nous devons nous dire que les évêques ne font pas la politique. Nous, comme acteurs politiques, et du moins à l'UDPS, nous avons intériorisé ce message de cette manière. La SENCO et les évêques du Congo ne font pas la politique. C'est nous qui faisons la politique. Oui. Même si eux recommandent qu'il faut maintenant s'atteler à l'éducation civique de la population. Mais nous, on l'a déjà dit. Nous avons même une école du parti qui est là pour ça. Mais vous le dites, mais vous ne le faites pas. Sans faire ça aussi, je voulais en arriver là. Ils font des recommandations intéressantes par rapport aux partis politiques, aussi par rapport à la population congolaise même. Par rapport aux partis politiques, effectivement, il faudrait accompagner la population à s'imprégner des lois essentielles aux élections. Il faudrait l'éducation civique et électorale et tout ça. Il faudrait une sorte d'école de conscientisation. Mais en plus, eux, ils ont fait le pas. Je crois qu'en lisant ici, ils disent par exemple que à nos fidèles catholiques en particulier, de se rappeler que comme celle de la terre et lumière du monde, ils ont une grave responsabilité de participer activement au processus électoral et de s'engager pour sa réussite. Et puis, ils disent même qu'ils ont pris l'engagement à la fin, qu'ils vont organiser des moments de prière, ils vont organiser de la formation par rapport à l'éducation civique et électorale. C'est-à-dire qu'on a l'impression que l'Église catholique est beaucoup plus active que les partis politiques. Qu'est-ce qui manque aux partis politiques, particulièrement à l'UDPS par exemple, d'organiser cette formation de la population, cet éveil de la population? Je commence par vous dire que eux, c'est la société civile. Vous savez que la SENCO, c'est la société civile. Oui. Du moins qui reste encore cohérente et logique dans ses réflexions. Parce que les autres sont, je ne sais pas les qualifier, mais c'est une société civile qui est évanescente, qui est à la merci de tout le monde. Surtout ceux qui ont la poche, les portefeuilles bien garnis. Mais les évêques les disent maintenant, c'est une option qu'ils ont levée, de non seulement demander aux fidèles de s'engager dans le processus électoral pour sa réussite, mais ils se sont engagés aussi, vous n'avez pas lu ça, cette partie-là, à assurer une éducation civique permanente. Oui. Bon, mais nous à l'UDPS, nous le disons, et nous le faisons peut-être timidement, mais nous le faisons. Ce que nous allons faire maintenant, et je crois que votre serviteur va s'y impliquer à fond, c'est de sillonner tout le pays et dire au peuple congolais ce qu'il doit attendre et lui amener les messages d'espoir. Parce que nous sommes là à présent d'un peuple qui est tout à fait désespéré, qui est résigné, qui ne sait pas quel sera son avenir demain. Et nous devons amener ces messages-là. Non seulement amener l'information sur ce qui se passe, sur la réalité des faits politiques de notre pays, mais surtout, amener un message d'espoir
au travers de notre projet de société, de notre programme électoral qui n'avait pas été bien vulgarisé en 2011 et que nous allons prendre à bras le corps maintenant dans toutes les langues du Congo pour l'amener partout. Et nous allons mouiller nos chemises, hein, user nos culottes pour aller partout dans les quatre coins du pays pour assurer ça. Mais pourquoi est-ce qu'il faut y penser à la veille des élections alors que c'est un travail que doit faire toujours un parti politique, même s'il n'est pas au pouvoir? C'est un travail qui devait être fait depuis. Mais alors, tout à l'heure, on a parlé de certaines erreurs commises en 2011, parmi lesquelles on s'est dit le peuple, à un moment donné, n'était pas préparé sur cet aspect. Ça veut dire qu'en amont, il y a eu quand même un peu des failles sur cette question. Pourquoi est-ce qu'il faut toujours y penser à la veille des élections, alors que c'est quelque chose qui doit être de manière permanente, en tout cas? Bon, il faut que j'apporte une précision sur certaines choses que vous venez de dire. D'abord, ce n'est pas à la veille des élections. C'est une détermination de le faire maintenant. Pourquoi je l'ai dit? Ce qu'on nous empêche même de nous réunir, même dans des parcelles, vous le savez. Moi, j'étais à Kinshasa ces derniers temps, j'y vais régulièrement, presque tous les deux mois. Les étudiants de la jeunesse de l'UDPS m'ont demandé d'organiser un rassemblement pour leur parler. On a loué un endroit, j'ai payé. Mais la veille, j'ai reçu un SMS de leur coordonnateur qui dit « Professeur, ne venez pas vraiment, les forces de l'ordre sont passées par là. » On dit « S'il y a des gens qui viennent ici, il y aura des grabuges. » Donc, il y aura des arrestations, des brutalités. Ils m'ont dit, mais je leur ai dit, on va y aller. Et on verra ce qui va se passer. Le jour même des rassemblements, le matin, je reçois un message. On me dit, hein, professeur, vraiment, nous tenons à vous, il ne faut pas y aller. Parce que ces gens-là, ils ont la gâchette facile, ils vont vous brutaliser, on ne sait pas ce que vous allez devenir, il ne faut pas y aller. Donc, ceci, c'est pour vous montrer que si on ne le fait pas, c'est qu'il y a des problèmes. Ce n'est pas parce que nous ne voulons pas le faire ou que nous n'y pensons pas. Maintenant, nous disons que, quel que soit ce qui peut arriver, on y va. Ça devient une priorité, à mon avis. Ah oui, ah oui, quel que soit ce qui peut arriver, nous y allons. Ok, merci, docteur. Je crois que j'ai été clair, je vous ai... Oui, c'est... Non, c'est clair. Maintenant, c'est ça le défi. Voilà. Un des défis, puisque je peux en faire plusieurs. Ah voilà, donc on va y arriver à la fin de notre émission. Docteur Loseke fera un défi politique. Hein. Donc nous parlerons maintenant. Plusieurs défis, vous en avez déjà un là. Mais voilà. Nous parlons maintenant avec Docteur Loseke. On parlera un tout petit peu sur la création de la Cour constitutionnelle, hein, qui s'est faite. Dernièrement, Joseph Kabila a signé un décret où il créait la Cour constitutionnelle. Est-ce que vous savez nous donner une idée de la mission de cette Cour, de manière classique, en très traditionnelle? Mais la mission traditionnelle de la Cour constitutionnelle, c'est de sanctionner ou d'entériner la constitutionnalité des lois et règlements d'un pays. Donc ce sont des sages, hein, qui sont là à la haute cour, des gens, des personnalités qui ont une longue expérience scientifique ou même politique. Parce que, souvent on y trouve les anciens chefs d'État comme des membres permanents. Donc c'est une structure de notre arsenal juridique qui est prévue dans notre constitution pour juger de la constitutionnalité aussi bien des lois que des règlements de notre pays et aussi juger des recours en constitutionnalité, par exemple lors des élections et tout ça. Donc c'est une cour qui était indispensable depuis très longtemps. C'est depuis l'accord global et inclusif qu'on avait prévu cette cour constitutionnelle. Et M. Kabila n'a promulgué la loi qu'il y a 2 ans, parce qu'il ne voulait pas faire ça avant 2011. Hein, il voulait passer en faire un passage en force pour promulguer la loi qu'il a fait il y a 2 ans. Ce n'est pas maintenant seulement. Et il a promulgué la loi il y a 2 ans
Et c'est maintenant qu'on commence à nommer, voilà, certains membres qui ne sont pas, ce sont des éminents professeurs que je connais personnellement. Oui, bon, si on peut parler de... à leur appartenance, à leur oui, mais c'est à sensibilité ça que je, politique. C'est à ça que je voulais bien arriver. Bon, avec, je suppose que quand on est engagé dans une mission comme la Cour constitutionnelle, et il faut faire les choses comme l'église au milieu du village, c'est-à-dire c'est débarrasser de toutes les tendances politiques que l'on peut avoir. Oui, mais quelle chance on peut donner à la régularité de cette institution? La loi, en fait, prévoit qu'il y ait 9 membres. Hein, et on dit qu'il y a 3 membres qui doivent être nommés et désignés par le président. Tous sont nommés par le président, mais les 3 sont désignés par lui-même. Il y en a 3 qui proviennent du Congrès, c'est-à-dire le Parlement et le Sénat mis ensemble. Et il y a les 3 autres qui proviennent du Conseil supérieur de la magistrature. Donc les 3 déjà qui sont désignés par le président de la République sont d'obédience du pouvoir. Et les 3 qui proviennent du Congrès, le Congrès à majorité présidentielle, c'est le pouvoir. Les 3 qui doivent provenir du Conseil de la magistrature, les magistrats nommés par le président de la République. Mais quelle chance donnons-nous à cette institution indispensable, comme vous l'avez dit, à pouvoir jouer son rôle comme il le faut dans ce contexte-là? Vous savez, Damien, on commettrait une grave erreur d'instrumentaliser la Cour constitutionnelle. Sinon, il n'y aura plus de lois dans ce pays, il n'y aura plus d'ordre, même le pouvoir, le pouvoir perdrait même son essence. Parce que c'est la Cour constitutionnelle qui juge de la bonne exécution ou de la bonne application de la Constitution dans un pays. Or, vous savez que la Constitution est la loi suprême. Oui. Mais si nous instrumentalisons les gens qui doivent garantir une certaine bonne applicabilité de la Constitution, mais là, nous faisons fausse route et il n'y aura plus de pays. Nous serons dans la jungle. Nous disons que la tendance, effectivement, de la majorité actuelle, c'est de vouloir désigner des gens qui sont proches de cette tendance politique. Que faire? Nous n'avons aucun pouvoir de faire quoi que ce soit. Je crois que la chose la plus importante, c'est d'attendre et voir comment ils vont désigner tous ces membres qui, en principe, lorsqu'ils sont nommés, ils se débarrassent de leurs étiquettes politiques ou même de l'idée selon laquelle c'est le président qui m'a nommé ou la magistrature pro-Kabila qui a nommé les membres. Je crois qu'il faut qu'on évite l'instrumentalisation d'un organe aussi important de notre pays qui est la Cour constitutionnelle. Il faut qu'on évite. Et nous ne pouvons pas, à l'heure actuelle, commencer à nous attaquer à cet organe, parce que ceux qui sont nommés, ça dépendra d'eux-mêmes, de leur culture personnelle. Et quand je vois certains professeurs d'université qui sont nommés là, en principe, ils doivent d'abord voir leur science que leur tendance politique. Ce sont des sages, ce sont des personnes qui doivent travailler pour que notre constitution reste la loi de tout le monde. Ok, nous sommes en train d'arriver tout doucement vers la fin, mais avant ça, avant que notre invité fasse son défi ou ses défis politiques, il y a quand même un sujet un peu polémique hein, qui consiste à dire qu'actuellement, il y a une alliance entre l'UDPS et l'UNC de Vital Kamerhe. Quelle est votre lecture de cette interprétation des choses? Mais il n'y a jamais eu d'alliance, il n'y a pas d'alliance. De manière purement conjoncturelle, certains membres de l'UDPS se sont retrouvés par rapport aux invitations qui avaient été lancées, se sont retrouvés avec l'UNC, c'est-à-dire le président de l'UNC, à certains rencontres, notamment avec les envoyés spéciaux qui se sont retrouvés au mois de mai à Kinshasa. Donc on ne pouvait pas saucissonner les rencontres. Et tout le monde était convoqué, tout le monde pouvait présenter son agenda selon son parti, selon ce que préconise le parti. Et nos membres de l'UDPS, notamment
le secrétaire général Mavongo Bruno et Félix Tshisekedi ont défendu notre position. Mais dans la même salle, il y avait d'autres partis. On ne pouvait pas dire non, nous réservons un rendez-vous particulier par rapport à d'autres. Et il s'est fait que, après cette réunion-là, il y a eu une communion d'idées sur certains points, une convergence parfaite sur certains points, à tel point qu'on s'est retrouvé là pour faire une déclaration commune qui se rapporte à ces points-là précis. Donc c'était un regroupement purement informel, ponctuel et conjoncturel. Donc il n'y a rien, il n'y a pas eu d'alliance ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs, les congrès de notre parti, les résolutions, une des résolutions du congrès de 2010 interdit ce genre d'alliance pré-électorale. Deuxième chose, vous savez ce qui s'est passé avec l'UNC lorsque le président Tshisekedi a tendu la main pour qu'on mène ensemble une campagne en 2011, en 2011 oui. Pour qu'il y ait moins de candidats à Tshisekedi. Oui. Il y a eu une fin de non-recevoir. Et nous n'avons pas encore oublié cela. Donc, il y a encore des choses sur lesquelles il y a un contentieux politique et qui ne nous permettent pas de réaliser un rapprochement, notamment pas avec l'UNC. Ça, c'est la rancune politique. Mais bon, c'est pas grave. Non, c'est pas c'est de la rancune politique. On parle de contentieux ou quelque chose qui s'est passé. Donc, on n'a pas encore vidé ces contentieux-là. Et 2016, si on y arrive, puisque nous, on ne croit pas arriver à 2016, le mieux serait que ce soit nous qui organisions les élections. Et c'est notre objectif. On le verra. Ok. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission, mais avant que nous puissions la conclure, nous demandons toujours à nos invités de pouvoir lancer un défi. Alors, docteur Lesseke dira son dernier mot, et à l'issue de ce mot, il lancera un défi. Docteur Lesseke. Vous savez que nous, à l'UDPS, notre devise, c'est le peuple d'abord. Et ce peuple qui croit mordicus à M. Étienne Tshisekedi ou à Moulumba comme le vrai leader qui apportera le changement dans ce pays, nous n'avons pas le droit de décevoir ce peuple. C'est ainsi que j'ai dit au peuple, à terme des défis, qu'on le veuille ou pas, Tshisekedi sera bientôt au pouvoir. Au plus tard, à 2016, et le plus tôt serait le mieux. Ça, c'est notre défi. Ça, c'est le défi de l'UDPS à travers Dr Lesseke, que nous remercions en tout cas vivement. Ce ne sera pas la dernière fois, parce que je sens qu'il y a plusieurs sujets sur lesquels on devrait revenir en profondeur. Et moi, je profite en tout cas pour remercier tous les spectateurs. Nous remercions en tout cas Benzema et Maître Donat qui ont été à la partie technique. Et nous remercions Rich Tempête, le manager, qui était à la réalisation. Merci à vous et à très bientôt. Et permettez-moi de remercier vos auditeurs. Ouais. Pour m'avoir accordé leur attention, et particulièrement à vous-même, Damien, et à votre télévision, qui est bien suivie dans notre pays. Et j'espère que le message passera 5 sur 5. Merci, docteur. Merci. À très bientôt. À très bientôt.